Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur Dofus aujourd'hui. On est actuellement sur Enutrosaur, je suis tout seul aujourd'hui malheureusement, et oui voilà c'est comme ça. Non mais plus sérieusement en fait, parce que pour parler de plusieurs trucs, l'avancée du Sacri, le Goulta et tout, vous allez voir, on va parler de plein de trucs. Donc première chose, c'est que j'ai complété le stuff, donc final. Puisqu'il y a mon ami Candy qui est arrivé de Jiva aujourd'hui, donc je vais vous montrer un petit peu les deux items que je n'avais pas encore. Enfin, je vais vous faire un petit récapitulatif pour le FK. Donc, alors, il me manquait l'amulette Glure Céleste que voilà. Donc, les jets dommages sont pas énormes, mais le prix était vraiment pas cher. Donc, au pire, je demanderai à un ami qui me l'a FM. Mais pour commencer, c'est pas mal, on va dire. Ensuite, il y a aussi l'épée Glourson que vous pouvez voir là. Celui-là, le jet pas trop dégueu, ça va, c'est juste les résistances qui sont pas énormes, mais encore une fois, je compte pas faire énormément de PvP, donc voilà, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Voilà, l'alliance, la bague Glourson, que je devrais essayer de trouver un Exopea plus tard. L'alliance Glourson, qui elle, je devais trouver un Exo-PM, je pense. Et faudrait que je me trouve aussi l'épée Glourson Exo-PO dans trois éléments, donc voilà, ça va être marrant. Ça c'est un truc que j'ai trouvé par terre. Il y a le masque du Glure Céleste. Celui-là le j'ai vraiment pas mal. Avec les 12 dommages partout. La cape. Aussi avec les 12 dommages pour saut. Et les 12 de Rési. Les bottes. Que voici. Et la ceinture. Donc rien qu'au niveau du stuff, normalement, il n'y a plus que la DD que je dois mettre encore, je verrai bien parce que je vais essayer de trouver. Trouver une alternative à la DD pour commencer, je serai en 10-6 et 6 de PO pour commencer, et puis j'essaierai d'avoir un ocre et un exo, et comme ça je pourrais être en 12-6. Et quand je serai en j'aurai l'exo PM en dernier, et ben je devrais changer. Je mettrai genre un cram-cram ou une DD armure. Donc, au niveau pour le moment, je suis niveau 192, voilà, je suis à 44%, donc je vais essayer d'ici fin de la semaine. Même, je dirais, ouais, début de la semaine prochaine, d'être 129, comme ça je pourrais faire le changement de classe et je pourrais, si ma connexion me le permet, reprendre les lives comme je faisais presque tous les jours. Et comme ça, je pourrais commencer à vous refaire du contenu intéressant, je veux dire, à regarder donc, du contenu haut niveau. Et ça me chatouille le nez aujourd'hui, c'est un truc de fou. Et ah oui, petite chose aussi, donc on a terminé la quête du Dofus pourpre de Bounty, donc du coup, il a pu me donner le pourpre qu'il avait acheté avant de faire sa quête. Donc du coup je l'ai récupéré en attendant que moi je fasse ma série comment avoir le Dofus pourpre, enfin la suite des quêtes. Voilà, c'est pas grave. Ensuite, parlant du Goulta, j'ai essayé d'aller demander qui pourrait m'accompagner, tout ça. J'ai plusieurs personnes qui vont pouvoir m'accompagner, donc des experts, donc soit des joueurs du Goulta, soit des youtubeurs spécialisés dans le PVP, qui vont soit m'accompagner, soit me rejoindre en cours, des choses comme ça. Mais j'essaierai d'être toujours au moins deux durant le stream du Goulta. Et je vais essayer de le streamer sur Hitbox. Pourquoi Hitbox? Parce qu'en fait j'ai fait des tests, c'est une autre plateforme de streaming, c'est un peu comme Twitch si vous voulez, mais c'est plus basé sur une communauté anglaise, donc du coup niveau visibilité c'est zéro, mais c'est pas ça le principe, c'est parce que j'aime bien Hitbox, parce que de 1, ben, je suis partenaire avec eux, donc du coup je peux mettre des pubs et tout ça, des pauses que je pouvais pas faire avec Twitch. Et ça me rapporte quasi rien, même c'est totalement rien, je veux dire. C'est pas ça le problème. C'est surtout parce qu'en fait, avec Hitbox, il y a vraiment très très peu de délai. Et pour le Ghoul Terminator, je trouve ça vachement bien le fait de ne pas avoir de délai. Enfin, très très peu en tout cas. Et comme ça, vous pouvez réagir avec moi en direct. Je pourrais peut-être vous inviter en conversation, si vous avez des ressentis, ce que vous voulez voir, ce que vous venez de voir en direct et tout ça. Enfin, franchement, le fait d'avoir très très peu de délai, ça peut vraiment rendre l'expérience très vraiment super sympathique. Que j'aurais malheureusement pas ça sur Twitch. Donc ce sera soit sur Hitbox, soit sur YouTube. Je verrai bien encore. Je vais faire des tests quand ma connexion me le permettra. Et bah, je vous tiendrai au courant, pardon.
avant que ça commence, vous inquiétez pas. Et normalement, Xiale devrait nous envoyer les accès, je pense, et dans le courant de cette semaine-ci. En général, c'est le premier jour où le serveur tournoi ouvre qu'on les reçoit, donc ça devrait pas tarder logiquement, puisque la sauvegarde, enfin, la sauvegarde des stuff des joueurs, c'était hier ou c'était ce matin, je sais plus exactement. Je crois que c'était ce matin. Donc du coup, on sait les joueurs, les stuff sont sauvegardés, donc du coup le serveur tournoi devrait vraiment bientôt arriver. Et bah, c'est cool parce que voilà, je vais pouvoir me connecter dessus et vous annoncer comment ça va se passer, quel match on va essayer de regarder. Ça, je ferai des petits sondages. Ce que je vais essayer de faire, c'est, ça va pas être facile, mais c'est de streamer et en même temps enregistrer les vidéos pour que dès que le combat soit terminé, que je puisse mettre le combat en upload. Donc pour les personnes qui l'auront raté, ben, il n'y aura genre pas besoin d'attendre le lendemain ou que le stream soit fini pour revoir le match. Et comme ça, bah, vous pourrez le regarder directement. Ça, je vais essayer de le faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit plusieurs. Parce que bon, ça faudrait que quelqu'un, genre, puisse continuer de commenter. Même si je suis genre occupé pendant une minute à mettre la vidéo en ligne. Et il faut que ma connexion tienne aussi. Parce que ça, c'est le grand dilemme. Parce que j'ai vraiment des gros gros problèmes de connexion pour le moment. Et on a beau téléphoner et tout ça, bah, ils savent rien faire. C'est comme ça. Parce qu'on est à la campagne, on a un seul fournisseur internet dans la rue, donc du coup on est obligé de passer par lui. Logiquement, vu le contrat qu'on a, on doit avoir une connexion en béton, mais c'est une connexion en mousse parce qu'à la moindre intempérie dehors, on perd le contact et tout, enfin c'est n'importe quoi. Et voilà. Donc qu'est-ce que. Il y a des personnes qui me demandaient comment tu fais pour XP et tout ça, t'as pas des conseils. Donc moi déjà. Ce que je fais, c'est en général, là je voulais désactiver pour que la vidéo soit pas trop dégueu, sinon je joue en mode créature. Je vais vous mettre en situation réelle. Hein. Comment je fais pour XP? Donc je fais ça, je fais mode solo, je vais dans les fonctionnalités, dans les performances, police avancée, je fais ne plus afficher. Ici vous décochez les trois trucs, vous pouvez s'enlever, activer. Cache, ouais, ça c'est pas trop grave. Ensuite, dans l'interface ici, vous pouvez tout désactiver sauf utiliser raccourci à la place des mon canaux. Enfin, moi c'est un truc que moi j'utilise, mais si vous voulez vraiment faire comme ça, voilà. Ouais, ça on peut laisser. Et alors voilà, les coordonnées je les enlève. Et afficher les PAP, mais tout ça vous pouvez enlever en fait. Donc afficher mon tuyau, mon tilier, tout ça vous pouvez tout enlever. Et comme ça, vous êtes. Enfin, je vais le faire, allez, je vais le faire avec vous. Donc, ça, on va enlever les monstres. Tac, ça, on survole. Oui. Oui, on enlève, on enlève. On enlève. Masquer le combattant, voilà. Et voilà. Je pense que c'est bon. Donc, là, on est vraiment. En situation réelle, et là vous allez voir la vitesse qu'on va jouer, c'est un truc de dingue. Les mobs jouent beaucoup plus vite, donc on peut même faire ça. Et alors vous spammez vos raccourcis. Désolé parce qu'avec mon clavier mécanique vous allez tout entendre. Mais en temps normal, quand je farm, je fais cette technique là. Donc je me mets en mode genre on voit le moins de trucs possible pour perdre le moins de temps possible pour pouvoir enchaîner le plus de combats en fait. À la minute, c'est comme ça que je regarde mon XP. Et c'est pour ça que je monte entre guillemets assez vite. Merde, il était invulnérable. Voilà. Donc ce que je fais pour le moment aussi, je suis pas mal sur une Nutrosaur. Enfin, c'est pas que je suis sur une Nutrosaur, c'est que en fait je change de zone souvent pour justement profiter des étoiles. De plus en plus, là j'ai pas mis mes idoles parce que j'ai un peu du mal à faire les combats et je perds beaucoup de vie et comme j'avais plus de pain, ben, fallait que je trouve un moyen de faire les combats et de pouvoir les enchaîner sans perdre trop de PV. Voilà, je finis quasi tout le monde en full vie. Et ce que je fais, c'est je récupère les coffres. Et alors, ben, si jamais je me fais agresser, je les fais, je regarde les étoiles. Donc là, la map là, elle est puante, donc j'aime pas trop cette map-ci. Après, il y a d'autres maps qui sont vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment une zone qui est accessible au niveau, je dirais, 100, ouais, 130. Quand vous atteignez la Panneau Royal Mode, je dirais. Et bon, je vais vous remettre un petit peu tout. Est-ce que c'est dégueulasse, hein, ça? On ne sait rien y faire. Voilà.
Je réactiverai tout pendant le Gultar, hein, vous inquiétez pas, histoire d'avoir vraiment un maximum de qualité. Tac, tac, tac. Et voilà. Voilà, on est reparti. Et donc voilà, ça c'est vraiment la façon que je fais pour XP. Et la technique entre guillemets que j'utilise pour le moment, qui fonctionne vraiment pas mal, c'est de rester une heure par zone. Enfin, une heure, si c'est possible de rester une heure. Si c'est pas possible, bah, vous changez dès que bah, vous avez plus de groupe, tout simplement. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, par exemple, je vais dire, je vais aller une heure à la bourgade. Une heure, c'est à peu près le temps que je mets à faire toutes les maps et essayer de faire un, voire deux combats par map, parce qu'en général, j'essaie de faire les groupes de 2, 3 ou 4 mobs quand il n'y a pas de Krabby Jacob dedans. Parce que les Krabby Jacob, déjà, ça arrive souvent que je rate le combat, tout simplement, que je perde. Ou alors que je finisse avec très très peu d'HP. Donc du coup, je dois utiliser énormément de poissons. J'ai vidé tout mon stock cette semaine-ci à cause de ça. Parce que je les avais vraiment laissés tous les groupes avec des crabes. À un moment, ben, tous les groupes qui ont repop, c'était plus que avec des crabes Jacob. Donc du coup, j'ai dû les faire. Et ben, j'ai eu du mal. J'ai dû retirer toutes les idoles et tout pour réussir à les gagner. Parce que bon, les crabes, pour ceux qui connaissent un petit peu le farm à la bourgade, ça met des critiques depuis la mise à jour. Et c'est infâme. Parce que c'est... Il te met des critiques à 600, 650 tous les tours. Et il tape deux fois par tour. Donc ça fait un peu mal. Donc là, on prévoit le fait qu'il va nous pousser. On va le recaler contre un mur. Et une fois que c'est fini, vous changez de zone. Donc moi, ce que je vais pour le moment, c'est la bourgade et Nutrosor et la plage de Otomaï. Pourquoi que la plage? Simplement parce que les combats, je peux tous les faire. Qui est un ou 8 mods, je peux tous les faire. Il y a énormément d'étoiles. Et il y a énormément aussi de drops sur la plage d'Otomaï. Et je me suis fait vraiment pas mal de Kama. Donc j'étais. Je devais dans les 3 millions 5 à trucs du genre. Je devais 4 millions à Candy parce qu'il m'avait acheté des trucs sur Jiva. Et ben, le temps que je. Enfin, en une semaine de temps. Putain, on se fait re aggro. En une semaine de temps, j'ai réussi à me refaire 2 millions 3 en plus des 4 millions que je lui ai donné ce matin. Et franchement, tout en farmant, j'ai vraiment fait que farmer. Hein. Et uniquement avec le fait les drops d'automa, j'ai ramassé un petit peu de sauge, un petit peu d'ortie par-ci par-là, des graines de pendu aussi, parce que j'ai vu qu'on contrôlait la zone avec l'Alliance, donc ça c'est cool. C'est pas accessible à tout le monde malheureusement, mais si c'est, vous en avez la possibilité que vous contrôlez Terdala. Go ramasser les graines de pendu parce que ça se vend comme des petits pains et ça se vend quand même assez cher pour le moment. En tout cas, ce que je vois sur les serveurs qui vaut pas mal cher, c'est la sauge, alors que c'est quand même une ressource qui est en assez grosse quantité et qui se ramasse en grosse quantité. Regardez, hein, je suis niveau 125 alchimiste, je peux en ramasser de 5 à 17. Bon, ok, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas des champs complets de sauge, mais il y a vraiment moyen de faire genre un petit circuit. Moi, j'ai un petit circuit dans la forêt d'Amakna. Je vous la montrerai dans une autre vidéo. Où je fais vraiment. Il y a des orties et des sauges. Je sais pas, je reste genre une demi-heure, trois quarts d'heure là. Et je tourne et j'arrête pas de les ramasser. Et je finis avec 1000, 1600 sauges, 1600 orties. Enfin, ça monte vraiment, vraiment vite. Et ça se vend très vite en plus. Parce que dès que vous avez fini. Ben vous mettez en vente, vous regardez le prix, et puis je sais pas moi, vous, genre vous partez, et puis quand vous revenez, il y a tout qui est parti. Enfin, c'est vraiment bien comme, comme ressource, surtout que ça part dans les plus ou moins 25, 20 à 20 000, à 25 000 les 100. Et ben, c'est quand même pas mal, parce que quand vous voyez que 100, ben, parfois en une map, si vous avez deux protecteurs de ressources, et ben, vous pouvez avoir les 100 directement. Et que vous pouvez en ramasser jusqu'à 17. Donc là, je suis pas au niveau max. Hein. Donc imaginez, genre au niveau 200 en alchimiste, les ressources que vous pouvez ramasser, c'est assez énorme. Et franchement, alchimiste, c'est un des métiers que je suis le plus actif, je vais dire, dans l'économie de Dofus avec, parce que, ben en fait, il y a moyen de se faire énormément d'argent parce que il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de comment dire de craft qui sont utiles pour les autres métiers et le fait qu'en plus il y a beaucoup de ressources qui sont utiles pour les idoles, ben ça augmente encore plus votre valeur marchande. Donc franchement, s'il y a un métier que je vous si vous il y avait un seul métier que je vous conseillerais, ce serait alchimiste, surtout pour le moment, parce que voilà,
Et les ressources, et le pire, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de la ressource ortie sur Incarnam, ça continue de se vendre comme des petits pains. C'est ça que je comprends pas, parce que même vous créez un niveau 1, vous pouvez ramasser jusqu'à 10 ou 12 d'ortie dès le niveau 1 en alchimiste. Et il y en a sur toutes les maps, plusieurs par map sur tout Incarnam. Donc je comprends pas comment le prix reste toujours aussi élevé. À mon avis, les gens savent pas qu'on peut le ramasser. C'est pas, je comprends pas autrement. Et enfin voilà, c'est toujours les techniques. Hein, la petite vidéo que je vous avais faite il n'y a pas si longtemps que ça, avec les petites techniques Kama que j'utilise actuellement, elles fonctionnent toujours malgré la vidéo qui a dépassé les 3-4 000 vues, je pense, même 5 000. Attendez, on va regarder en direct. Ça ira plus vite avant de dire des bêtises. Je crois que c'est 4 000, mais je suis pas sûr. Ouais, 4 000. Attendez, regardez. 4493. Donc comme ça, on coupe la part en deux, on va dire 4500. Et voilà, enfin, c'est toujours des techniques qui sont très faciles à faire, qui sont très rentables et qui sont accessibles à tout le monde. Parce que les orties, ben, même en étant non abonné, ça fonctionne. Donc il y a des personnes qui m'ont envoyé des Snapchats pour me demander, voilà, je suis non abonné, j'ai un peu du mal à me faire des camas, est-ce que tu peux me conseiller quelque chose? Je lui ai dit, ben, va voir ma vidéo, il y a plein de techniques à faire, super facile. Et c'est super rentable et ça se vend vite en plus. C'est ça qui est vraiment bien parce que quand vous commencez le jeu, le fait de devoir attendre, je sais pas, par exemple, une semaine pour vendre vos ressources et tout ça, ben, soit vous êtes monté trop haut en niveau, du coup vous n'avez pas le stuff qui est adéquat, ou soit vous avez le stuff mais vous n'avez pas le niveau. Donc du coup, le fait que ça se vende vite, eh ben, vous pouvez continuer de progresser petit à petit et monter avec vos kamas tout en montant en niveau. Donc ça, c'est vraiment bien. Et voilà, moi je suis toujours en train de ramasser les petits coffres. Donc pourquoi je ramasse les petits coffres? Les gens vont me dire. Parce que de 1, ça repop très vite. De 2, ça peut parfois vous lancer des combats qui, eux, XP pas mal. Bon, c'est pas aussi rentable que si j'allais à la Bourgade, mais voilà, j'ai trouvé la position par hasard en revenant sur Automite. Du coup, je me suis dit que j'allais venir y faire un tour. Il n'y a pas de coffre ici, c'est bizarre. Après, il y a une autre technique. Je vais aller vous la montrer. J'ai déjà montré plusieurs fois, mais voilà, tant que pour les personnes qui ne savaient pas. Donc quand vous êtes ici, donc je vais vous montrer la pose, donc en moins 4, moins 3, vous allez à gauche. Il y a un coffre là. Ça peut être de ne pas faire agresser. Voilà, bien sûr. Chaque fois qu'on lui demande, ça le fait, c'est normal. Allez, essayer de le faire rapidement. Parce qu'en fait, le Berserkoff est casse-couille parce qu'il a un état invulnérable. Et lui, le Trisanthème, il me repousse tout le temps. Ah non, c'est pas lui, c'est son pote. Oui, non, je confonds. Et sinon, franchement, les combats sont vraiment pas compliqués. Quand vous n'avez pas d'idole, c'est vraiment accessible à partir, je dirais, du niveau 114 pour les sacrieurs sagesse comme moi. Parce que dès que vous pouvez faire 2 10 e et que vous avez genre entre 1600 et 1700 HP, ça devrait être assez facile. Après, pour faire avec les idoles, il faut monter un peu plus haut, soit en HP, soit en niveau. Parce que c'est vraiment pas toujours facile. Parce que les mobs, voilà, ils tapent quand même 110, 115. Et si vous avez des idoles qui augmentent les dégâts, eh ben, du coup, ils vont taper de plus en plus fort. Et comme ils tapent 2 fois par tour, eh ben, ça peut être fatal pour votre personnage. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc là, comme vous savez, il me reste plus que 7 niveaux à monter. Ouais, voilà, donc là je suis plus ou moins à 50%. Ça laisse être plus long, et oui, parce qu'une fois que vous êtes niveau 190, vous allez voir, moi je suis passé de genre 80 millions pour up à 140 millions. Enfin, là, je regardais, je suis à 46%, il me reste encore 86 à ramasser. Enfin, c'est assez énorme. Enfin, AXP, pas vraiment à ramasser. En plus, il y a plein de. Oh putain, les groupes sont assez chauds ici. Quelqu'un a déjà passé les coffres. En fait, regardez, il y a des coffres. Là, ici, on est dans la zone 200. Et du coup, les coffres donnent des ressources de ces mobs-là. Qui, du coup, coûtent plus cher. Parce que, ben, vous pouvez voir, il y a des étoiles. Donc, il y a très peu de personnes qui les farment. Parce que, de 1, ils sont difficiles. Et de 2, ben, la zone n'est pas accessible super facilement. Puisqu'il faut soit faire la chasse, soit de réussir à trouver la position par chance. Comme ça m'arrive quand même assez souvent, malheureusement. Enfin, heureusement pour moi. Et voilà, c'est une zone pas très connu puisque comme je vous dis, bon, en tout cas ici regardez, il y a des comment dire, des percepteurs un peu partout et tout, ils se font pas trop agresser et franchement c'est une, enfin voilà,
Moi j'aime bien les zones. Voilà, il y a des coffres comme ça, les coffres en or. Vous essayez de pas se faire agresser. Et ceci nous ramène beaucoup plus de. En fait, ceci ne ramène pas tellement de Kamaxa, mais ceci, les ressources vont jusqu'à 20 à 25 000 unités. Donc, quand c'est des cornes de barbe étoile, comment il s'appelle? Barbe étoile, oui, voilà. Eh bien, voilà. Mais le truc, c'est que si jamais vous gérez pas les combats, moi, ce que je vous conseille, c'est Sneezy qui me l'avait appris, c'est d'abandonner le combat et de retenir où est la position du portail. Et du coup, ben, soit vous mourrez, vous faites le petit chemin, soit vous retournez au zap, enfin au début de la zone, puisque maintenant ça a changé. Par contre, vous perdez énormément d'énergie maintenant, puisque ça a changé. Et vous pouvez revenir après, ainsi de suite, jusqu'au moment où il n'y a plus le portail. Ça, c'est une technique à faire, puisque c'est vraiment. Vous n'avez même pas besoin de stuff, puisque le but c'est de ramasser jusqu'au moment où vous faites agresser. Et une fois que vous êtes agressé, bah, vous allez abandonner le combat. Je vais juste réactiver les canaux. Voilà. On a eu de la chance, on en a eu 4 pour le moment, sans se faire agresser. Ah, il y en a un ici qui est caché. Voilà, faut passer la souris. 5 sans se faire agresser, tant mieux. Je vais essayer de le rester avec vous jusqu'au moment où je vais me faire agresser. Et on les ouvrira ensemble. Donc là, il y en a un deuxième, je crois, normalement. Faut chercher avec votre souris parce que souvent, ils sont assez cachés. Et ils sont pas vraiment mis en évidence. Donc, c'est pas toujours facile. Moi, je sais où ils sont parce que voilà, j'ai déjà utilisé cette technique-là quand même assez souvent. Mais je sais, voilà, là, il y en a un. Toujours pas agressé. On continue. Mon record pour le moment c'est 7 sans me faire agresser. Donc là, on approche du record. Alors, je sais pas si on avait ici par contre. Ah, le fait que les mobs soient devant, c'est un peu chiant. Non, on va aller voir dans la mine. Normalement, il n'y en a pas, hein, mais bon. Non, il n'y en a pas ici. On va redescendre. J'ai mis mon autre casque, tout simplement, pour ceux qui voudraient savoir, parce que l'autre me donne chaud à mort. Bon, ça, c'est pas le problème, c'est pas le plus important. Mais j'ai un retour son en fait sur ce casque-ci, parce que je l'ai branché directement à mon micro. Donc, vous avez pouvant entendre, enfin, vous avez sûrement déjà entendu que par rapport aux autres vidéos, la qualité est vachement meilleure, logiquement. C'est le Yeti qui est refonctionnel, je veux dire. Allez, il est où? Si on peut pas l'ouvrir. Il y en a un deuxième ici. On va aller voir au début s'ils ont repop. Et du coup, avec ça, j'ai un petit retour son. Donc, du coup, je sais si jamais genre, je crie trop fort ou quoi, je l'entends directement. Je dois pas attendre que la vidéo soit finie pour me rendre compte en faisant merde, putain, la qualité est dégueulasse, je vais pas mettre la vidéo. Là, du coup, ça me permet d'avoir le réglage en direct. Et voilà, bah, c'est pour vous expliquer. Hein, voilà, si vous voulez tout savoir. Alors, ça va, il a repop. Allez, le septième. Nice, ça passe. Vous faites agresser direct en général, donc vous le voyez si vous allez l'avoir ou pas. Celui-là repop. Allez, est-ce qu'on va battre le record? Oui! On a 8! Normalement, il y a encore une map en dessous. Voilà. Et il est là. Le neuvième qui passe, j'ai eu très très peur là. J'ai vu qu'il faisait. Il a fait une petite feinte là comme ça, mais ça va. Bah tant mieux. Hein. On va ouvrir 35 coffres là, on a pour le moment. C'est cool, c'est cool. Et comme ça, on ira les mettre en vente et je vous montrerai un petit peu les prix. Toujours, bah, voilà, hein, dans la petite optique où faire des camas en solo. Parce que voilà, moi j'ai toujours joué en monocompte. J'ai déjà testé de faire des teams et tout ça, mais franchement, j'accroche vraiment pas du tout. Pas que j'aime pas, mais je préfère jouer tout seul en fait, parce que. Enfin, pour moi, Dofus, c'est un jeu fait pour que ben, vous fassiez des choses avec d'autres personnes et pas pour que vous farmiez tout dans votre coin sans rien faire. Du coup, moi, je préfère jouer tout seul. Enfin, sur un seul compte, je veux dire. Mais genre jouer avec mes amis ou avec les guildeux, des trucs, des gens que vous avez rencontrés dans le jeu, voilà. Et voilà. Ah, je pense à ça aussi, Ghoul Terminator. Merci à toutes les personnes qui ont voté suite à ma vidéo pour les personnes que je vous avais conseillées.
Il y en a, je dirais, il y a 70%, 75% des gens pour qui je vous avais conseillé qui ont été choisis. Donc merci à vous. Grâce à vous, surtout, je vais pouvoir avoir le retour. Donc soit directement après le combat ou même avant le combat. Genre, ah merde, on s'est fait attaquer au deuxième. On va retirer le givre fou, ça, pour pas perdre des PV bêtement. On va l'abandonner. Donc on en aurait eu 9. C'est pas mal. Où est-ce qu'on est? Ça va, on est là. On va aller ouvrir nos petits coffres. Et puis après, regardez, j'ai perdu 3 800 points d'énergie. Donc je perds le double, je pense. Ouais, c'est le. Non. Le triple de ce que je perds en temps normal. Mais si vous avez assez d'énergie, logiquement, enfin, vous réapparaissez à l'entrée de la dimension. Donc ça a changé par rapport à avant depuis la mise à jour 2.29. Ça vous évite de devoir retrouver le portail et s'il n'y a plus de place de devoir refaire une chasse. Enfin, ça va gagner un temps monstre. Moi perso, je suis tout le temps à 1000 d'énergie parce que je crève tout le temps. Et j'ai pas envie d'acheter des potions à 75 000 les 10 pour reprendre 5 000 d'énergie. Donc c'est un peu con. Et on va remettre le petit givre Fuchs. Voilà, il a combien de PV? On va lui en remettre un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc on va ouvrir ensemble. On va augmenter ça. On va ouvrir ensemble les coffres. Alors on va commencer par les gros cette fois-ci. Alors dans le Lévitrov, 3 dans le Lévitrov, 3 Kamatrix. Ça c'est pas terrible les Kamatrix. Et dans le Lévitrov, des cornes. Voilà. Les cornes coûtent elles assez cher. On ira voir ensemble. Et dans le Lévitrov. Et morceaux de clé passe-partout, ça aussi ça se vend pas mal. Ensuite on va spammer. Les petits. Le truc que vous pouvez voir le plus cher dans les petits, je sais pas si j'en ai eu. Non, c'est des morceaux de. Enfin, des ressources du boss du. C'est pas Nidas, c'est. Le. Je sais plus, c'est genre le Cosmo Coffre, un truc comme ça. On va y voir ensemble, on va mettre tout ça en ligne et ensuite je vous dirai au revoir pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez aller voir une autre vidéo. Je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo de Sneakzy. Il a fait un PVP avec son Fekka contre un Enu. J'ai jamais vu Sneakzy gérer aussi bien le combat. Franchement, j'étais étonné. Je me suis dit, putain, mais il le défonce en fait. Genre, il a 40 niveaux, même plus, 45 niveaux d'écart avec le gars et il a défoncé. Donc voilà. Je vous la conseille. Voilà. Autant aider les confrères. Hein. On va mettre ça en vente. Alors les cornes. Les 1995, les 10. Les moustaches. Est-ce que j'ai déjà vendu les autres? Non. Donc on va en retirer deux, comme ça on en aura 10. Voilà, méta. Voilà. Les morceaux de clé, regardez. 30 000 KU. Donc imaginez que j'en aurais plusieurs dans les coffres, ça 30 000 KU pour mourir et puis revenir, enfin c'est un truc de fou. Là les Kamatrix ça coûte pas cher, mais bon voilà. Les dents de Lévitrov, j'attendrai d'en avoir 10 pour les mettre en vente. Les Chrysanthèmes, 20, ouais, 30 000 les 10 on va dire, plus ou moins. Les langues ça coûte pas très très cher. Ça c'est pas mal, les cornes de boursouin ça se vend. Je vais les mettre un peu moins cher parce que le prix, c'est pas vraiment ça. C'est plus aux alentours des 12 000 les 10. Je commence à connaître les prix à force de le faire. Et regardez, moustache Mikado. Je baisse les prix, mes propres prix. Hein. Très intelligent. Et voilà, donc toutes les pinces de cristaux que j'ai ramassées en allant farmer ces 2-3 derniers jours. Voilà, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'en ai 1 200 en vente, je dois en avoir encore 200-300 en banque. Regardez, les prix ont encore baissé, ça me fait chier. Enfin, c'est pas grave, je changerai ça après la vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Continuez de farmer tous. Et vous inquiétez pas, on va passer un bon goûta. Et ben, moi, j'ai essayé de monter plus rapidement 139 pour qu'on voit le fait qu'ensemble, que je puisse faire des vidéos plus souvent. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao!